Ben oui, moi j'allais à Sherbrooke-Ouest depuis, c'était après la naissance de mon deuxième enfant que je m'étais mis à Mince à vie. J'avais joué au yo-yo avant, là, essayé toutes sortes d'affaires, mais Mince à vie, c'est vraiment ça qui a marché pour moi le mieux. Donc, je me suis rendue jusqu'à mon maintien, tout ça depuis 2013 que j'avais recommencé ça. Donc, Mince à vie, ça fait partie de ma vie et ma routine depuis ce temps-là. Mais je m'étais relâchée un peu dans les derniers temps. Là, des fois, j'y allais. J'allais faire une rencontre avec Manon. Là, je revenais. Là, des fois, j'étais un mois sans y aller. J'étais au maintien. Fait que je me tenais comme ça. Puis là, ben, au fait, là, j'ai embarqué sur la balance. Puis là, j'ai regardé ça. Puis j'avais repris, je dirais, depuis mon maintien, un bon 15 livres. C'est pas énorme, là, mais c'est assez pour que je fasse un nom. Là, j'ai comme dépassé une barrière que je voulais pas frapper. Puis c'est là que puis je me sentais pas bien dans mes vêtements. Je me sentais moins aussi ben, au top de ma santé. Fait que là, je me suis motivée, je me suis inscrite en ligne. J'ai dit, bon, je l'essaye. Là, c'est pas ça qui va me barrer, là, d'aller à Mince à vie en ligne. Donc là, tu prends l'abonnement, premier, là, t'as un paiement, c'est automatique, tu t'inscris, t'embarques, là, je dis, hey, là, j'embarque, je paye d'avance, j'ai pas le choix, j'ai pris mon engagement avec moi-même. Donc là, depuis le retour que j'ai fait, ben là, ben, je fais beaucoup plus d'activités physiques, j'ai changé un peu ma manière de faire. Avant, j'ai fait Mince à vie sans trop bouger, juste vraiment faire l'alimentation. Là, je bouge vraiment beaucoup, je marche 6 km plusieurs fois par semaine, je fais des rencontres avec José Leblon en ligne, tous les dimanches matins, je t'inscris à workout en ligne avec les mains à vie. Ça me motive beaucoup, en tout cas, ça c'est quelque chose que j'aime de ce côté-là. Puis c'est ça, comme je t'inscris, ben c'est un engagement là, j'y vais, là. Je le prends. Je le mets dans mon agenda, je fais mon livre aussi, je remplis mon journal alimentaire. La plateforme est facile à utiliser aussi. Moi, je trouve mon compte là-dedans, là, avec un petit téléphone, une petite application. Je vais rentrer mes affaires, ça me suit partout. Je l'ai tout le temps, mon téléphone. Donc, c'est un peu le ce que moi, je trouve mon compte là-dedans. Donc, j'ai reperdu, pour l'instant, j'ai reperdu 8 livres. Moi, je bois tranquillement, mais je fais beaucoup d'activités physiques, là. Fait que je reprends en masse musculaire. Je le sais que je perds moins vite que si je fais juste manger Mince à vie. Mais pour moi, c'était la santé globale là, qui venait me chercher, que j'avais besoin là, de retrouver. Ah, oh, excellent. Donc, un jour, je vais retrouver à mon maintien, mais petit train va loin, comme on dit. Là. Donc, je fais une réunion, j'essaie de prendre une réunion de motivation. Puis là, moi, je suis avec le forfait premium. Là, fait que je peux prendre le nombre de réunions que je veux. Donc, quand tu as besoin d'un petit boost, tu en remets une dans ton agenda. Donc, je prends au moins une réunion, puis un entraînement là avec José, là, qui est vraiment... Si t'es pas motivé après une demi-heure avec José, là, il y en a qui pensent que c'est juste ah, c'est un entraînement, c'est pas une réunion de motivation, mais ça aussi, ça motive. Moi, dans le fond, pour faire ça un petit peu court, j'ai commencé mon cheminement avec Mince à vie en 2006. J'ai déjà été membre à vie une première fois en 2007. Puis, à ce moment-là, j'étais pas mindée, là, disons, pour continuer à faire attention. Les années suivantes, j'ai repris mon poids. Et j'ai réussi à quelques reprises de faire Mince à vie et j'ai jamais été aussi focus que la première fois en salle. J'essayais un peu, j'abandonnais, je faisais le yo-yo comme beaucoup de gens y ont fait. Puis dans le fond, quand j'ai découvert la nouvelle plateforme au printemps de l'année passée, ça m'a vraiment parlé beaucoup parce que, et de un, on traverse tous des moments difficiles. La pandémie en est un. Et
on a sur la plateforme accès à aux conférencières, comme on disait tantôt, qu'on veut. Une journée, on fait le pas, on peut en parler en ligne avec les conférencières lors des conférences, mais on peut aussi avoir accès aux conférencières, même dans le privé, sont tellement disponibles. On a un groupe Facebook qui nous motive énormément parce que c'est tout plein d'amour, d'entraide et sans jugement. J'adore parler sur le groupe ou faire des partages parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va te donner un bon mot pour te craquer. C'est beau de voir les cheminements de tout le monde. Puis tu sais, moi, cette année, ça a été difficile parce que mon frère, il a une récidive de cancer. J'ai perdu mon beau-père. Ma mère a fait de l'Alzheimer, puis il a fallu que je la place suite au décès de mon beau-père. Ça a été hyper difficile, mais savez-vous quoi? Je pense que ce qui m'a aidée, c'est l'effet de groupe, c'est la force du groupe parce que ça fait en sorte que tu n'abandonnes pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient te dire « Hey, lâche pas, on est là ». Puis je pense que c'est ça qui est important avec Mince à vie. Non seulement on mange bien, mais aussi on a des personnes autour de nous qui sont pleines d'empathie, pleines d'amour, puis pleines de... comment je dirais, des gens qui veulent nous aider avec bon cœur, puis c'est pas juste pour la paix, ça se sent. Ça fait que moi, je veux remercier toutes les conférencières parce que j'ai finalement atteint mon poids santé en janvier. Puis j'ai aussi découvert les exercices en ligne avec José qui m'a aidé vraiment beaucoup. Puis ce que j'ai découvert, c'est que l'exercice, là, c'est une chose qui n'est pas toujours facile à faire sur le moment. Il faut se botter les fesses. Mais ça fait tellement du bien à l'âme parce que quand tu t'entraînes, tu penses à rien. Fait que tous tes problèmes, là, ils disparaissent pendant la demi-heure, l'heure que tu t'entraînes. Puis ça aide à libérer les mauvaises pensées. Ça fait que moi, c'était ça que je voulais dire. Puis c'était juste que, dans le fond, la différence entre avant et aujourd'hui, c'est que si tu veux réussir, là, c'est pas de jamais faire d'erreur, c'est de juste pas abandonner. C'est vraiment ça la clé. Ça fait que c'est ça. En ligne, j'adore ça parce que justement, c'est quand je veux, beau temps, mauvais temps, occupé, pas occupé, je choisis toujours, il y a toujours quelqu'un puis une période de disponible pour moi à n'importe quel moment de la journée. Donc, j'ai pris une habitude. C'est ça qui est difficile, hein, changer nos habitudes. Moi, je l'ai ouvert avec ça parce que je suis très routinière. Mais là, j'ai pris ma routine de Mince à vie en ligne. Le lundi matin, je cédule toutes mes réunions de la semaine. J'ai commencé lentement avec José, que je connaissais pas, mais je me disais, oh, je vais essayer. Parce que moi, j'étais la personne que, non, je bougeais pas. J'étais bien assise dans ma chaise. Mon sport, c'était la lecture. Fait que je bougeais pas du tout. Mais là, j'ai dit, oh, je vais m'essayer. Mais là, je me suis fait prendre au jeu. J'ai adoré. Quand José a augmenté ses séances, j'ai augmenté aussi. Fait que là, je suis là 6 fois semaine. J'adore ça. Bon, mon chemin vite, là. Moi, de 50 ans à 60 ans, j'ai arrêté de fumer je sais pas combien de fois. Et à chaque fois, je prenais 20, 25 livres. Et quand je recommençais à fumer, je perdais pas mes livres. Je perdais 5 livres, mais... Donc, rendu à 60 ans, j'avais plus de 50 livres en trop. Et puis là, ben, j'ai arrêté de fumer pour de bon. Il y a 2 ans, je me suis dit, là, c'est fini. Ben, c'était ma santé aussi, là. Donc, là, je me suis dit, là, c'est fini. Et la semaine après, je me suis inscrite à Mince à vie. Parce que j'avais des amis qui m'en avaient parlé. Et c'est Mince à vie qui m'a donné le goût de... qui m'a permis de moins focusser sa cigarette.
Parce que là, j'ai commencé à cuisiner. J'ai commencé à goûter à plein de choses. J'avais un intérêt différent pour des choses que j'ai... Après ça, j'ai arrêté de fumer. La semaine après, j'ai commencé à m'installer. Puis la semaine après, j'ai commencé à marcher. Fait que c'est pas beaucoup, 30 minutes par jour, mais tous les jours. Donc, ma routine, elle s'est installée comme ça, sans que je m'en aperçoive vraiment. J'adore ça, là. J'espère que ça va toujours rester en ligne. C'est parfait pour moi. Donc, et aussi, j'ai perdu 52 livres. À tout. Ça fait que je suis bien contente, là. Et puis, là, j'en avais repris un petit peu dans l'automne. Et puis, en janvier, j'ai continué, c'est-à-dire, mais j'ai arrêté mes abus de vin, là. Parce que moi, j'aime beaucoup ça, prendre un petit verre de vin. Mais là, j'ai arrêté ça. Et puis, j'ai recommencé à mesurer. J'ai reperdu 12 livres. Et puis, là, je suis rendue à 54 livres en tout, là. J'arrive à mon maintien, là, dans 2-3 livres. Fait que je suis bien contente. Ben, merci tout le monde, puis merci à toutes les conférencières. J'ai juste merci à Mince à vie d'avoir organisé tout ça. Et puis, let's go, on continue à marcher pas bouger, pas bien manger. Qui aurait pu dire facilement, hey, moi, je décroche. Je n'ai pas le temps de m'occuper de moi. Je décroche. Hey, je te laisse. Michel Cloutier, Chabrocasse, pour ceux et celles qui s'en souviennent. Vas-y, c'est à toi, ma belle. Oui, merci, Manon. Tout le monde m'entend bien? Oui. Vous m'entendez? Merci. Ben c'est ça. Je vais vous parler de moi aussi. Disons que la dernière année, COVID, tout le monde l'a vécu et survécu, mais moi aussi, à ma façon. Je vais me présenter, c'est ça, Michel. J'ai 52 ans. Je suis une grand-maman de deux petits garçons, Mathieu, 9 ans, puis Félix, 1 an, qui habite chez nous parce qu'on a une maison bigénération. Je suis la dernière d'une famille de 5. Je suis arrivée 8 ans après les autres et j'ai toujours été la petite grosse de la famille. À l'adolescence, j'ai fait toutes sortes de régimes. Je les ai toutes essayées. J'ai même fait des jeûnes. Je peux vous dire que la seule chose que ça a fait, c'est de me scraper. J'ai pas d'autres mots à dire. J'ai entré dans Mince à vie dans les années 2000. J'ai fait une première fois. J'étais allée avec une amie, un défi. Tu sais, hey, go, on est capable, on y va. Ben, j'ai lâché parce que je ne l'ai pas faite pour moi. Je l'ai faite pour y aller en défi. Je n'ai pas pris le temps pour moi de tout penser, de tout réfléchir. Je n'étais pas là, je n'étais pas prête. Finalement, j'ai repris en octobre 2019. Comme Manon a dit, moi, je suis très timide. Je suis pas quelqu'un qui va rentrer d'une salle puis « Hey, salut la gang! » Pas pantoute. Fait que moi, c'était un petit peu plus... J'arrivais, je faisais mes pesées, je m'en allais, puis c'est tout. Tu sais, c'était ça. À travers de ça, la COVID est arrivée. J'ai eu deux accidents d'auto où ce que deux personnes textaient puis m'ont rentré dedans deux fois. J'ai eu des complications cervicales, des médicaments, tout ça. À travers de ça, nous autres, on se met dans les travaux. On fait un agrandissement à deux étages dans notre maison en autoconstruction. S'il y en a qui ont déjà fait des travaux, là, je peux vous dire que la planification alimentaire, c'est pas simple. Puis oui, je pense que si j'étais encore en salle à ce moment-là, je pense que j'aurais lâché. La plateforme était là pour moi. Mais Mince à vie était là pour nous, finalement. Ils sont virés de bord quand les salles ont fermé. C'est incroyable. Fait que moi, peu importe, j'étais fatiguée, je me logue, je prends une conférence, ainsi de suite. C'est ça, j'ai eu plein d'affaires, puis j'ai une job de fou, je travaille sur la route, je travaille au bureau, je travaille en télétravail, puis ça peut changer d'une minute à l'autre. Je peux être en télétravail le matin, on m'appelle, là tu t'en vas sur la route. Fait que moi, ma planif, là, les trucs, là, j'y prends tout. Tout ce qui passe sur les conférences, mes fruits, mes légumes sont tout le temps prêts, j'ai toujours quelque chose dans le congélo. Moi, mon dépanneur, c'est ma canne de thon parce que si on m'appelle puis on dit « Michel, tu t'en vas sur la route puis tu vas faire 8 heures de route », ben il faut que je sois prête. Fait que je peux pas planifier comme tout le monde qui est chez eux. Moi, j'ai une vie un peu rock'n'roll, mais
j'ai quand même réussi, malgré tout ça. J'ai perdu 50 livres. J'ai mon IMC à 25,5. Je suis à très, très proche de mon maintien. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir réussi, même si ça m'a pris du temps. Puis je suis super contente pour ceux qui perdent le même poids en 6 mois, là, bravo, là. Mais moi, je me suis dit, là, je ne l'ai pas lâché. Puis c'est sûr que la plateforme y est pour quelque chose. Moi, j'ai le premium aussi. Je prends 4 conférences minimum par semaine. Même que c'est ancré dans ma vie, mon mari me demande tout le temps, « Quelle heure, ma blonde, ta conférence ce soir, là? On part-tu souper avant? On part-tu souper après? Tu vas-tu marcher avant? Tu vas-tu marcher après? » C'est comme ça. C'est rentré dans mon horaire. Puis si un soir, là, je suis devant la TV, puis là, ben, Colin, je prends mon laptop, je me log, j'écoute une conférence en différé, j'écoute des lives de Dominique, il y a rien qui nous arrête, tout est là. Puis, oui, c'est pas comme en salle, c'est vrai, mais regardez, on se voit toutes, là. C'est extraordinaire, on se voit les mimiques, on se voit les faces. Les conférenciers, conférencières, il y en a pas une de pareille. Ils ont tous leurs petits grains qui viennent nous chercher, qui viennent nous motiver, qui viennent nous donner le coup de pouce. À chaque soir, on va chercher quelque chose qui va nous aider tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis on peut, il y a aussi, il y en a qui rouvrent les micros, on peut jaser, on se parle dans certaines conférences, c'est super le fun. Puis si un soir, j'ai pas le goût, j'ai juste le goût de me concentrer sur la conférencière parce que c'est un sujet qui m'interpelle, ben moi, je l'épingle à l'écran et je vois juste la conférencière, je vois rien d'autre. Je me concentre comme si elle était là juste pour moi. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que mon année a été rock'n'roll, puis je vous dis pas toutes les autres affaires qu'il y a eu, mais tu sais, je l'ai eu, je l'ai réussi, je vais le maintenir, je suis convaincue. Notre santé, on en a juste une. Pourquoi mettre ça sur pause? Effectivement, tu sais, Mince à vie, la plateforme, là, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. Tout le monde est là. J'ai rien d'autre à vous rajouter que, ben, merci de m'avoir écouté, premièrement. Désolée, là. J'arrête pas de parler, finalement. Mais, il faut faire le choix de le faire. Il faut faire le choix. C'est pas parce qu'il y a pas de salle. Parce que sinon, on serait toute seule, effectivement. Comme t'as dit, Manon, on serait toute seule. Vous êtes là, Mince à vie. Puis, il faut en profiter. Puis, ça vaut vraiment la peine. Ah, oh, wow, quel beau. C'est ça, Michel. J'ai vu. Tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'est parlé durant l'année. Je sais l'été difficile que tu as passé. Puis je me disais, c'est l'exemple parfait qui aurait pu dire, hey, c'est trop dur dans ma vie. Mais non, regarde, t'as perdu ton poids. Tu y es arrivé. On va commencer ton maintien très bientôt. Mm-hmm. Je te remercie. Ben, je suis vraiment fière de toi. Je suis fière de ton parcours. Puis c'est gagné pour la vie.